Allô, allô, tu m'entends? Oui. D'accord, ok. Tu me demandais tu me demandais dans le chat, c'est ça? Parce que j'ai réussi à trouver le ton planning. Ouais, il fallait que tu m'y fasses penser, je te l'aurais envoyé à chaque fois que je te dis que je devais le faire, et puis en fait je l'ai pas fait, donc... Bah pour ça, je t'ai lié moi-même. Dans le chat, là, c'est 200 par 270. 200 par 270. 500. J'arrête pas de perdre ma connexion au réseau. C'est très chiant. Ça fait déjà, moi, je sais pas, 4 fois qu'OBS y plante. C'est magnifique. Oh putain, mais l'autre il a 200 millions de cartes, je me fais déchirer. Bon, et ben, j'espère que le chat, enfin j'espère que OBS va pas continuer à partir. Salut citoyen, salut salut. Ça a Ah, fonctionné. ouais, je fais du Gwent en attendant que quelques viewers arrivent. Hein. Ah, c'est pas une écharpe, citoyen, c'est une Minerve. J'ai les cervicales en vrac. Comment vas-tu, mon ami citoyen? Donc, je tiens à te prévenir, hein, parce que pour l'instant, je crois que tu es tout seul avec Skaos et moi sur le stream. OBS a énormément de coupures ce matin, donc j'espère que ça va s'arrêter, mais au cas où, t'auras juste à rafraîchir la page. Comment j'ai fait mon compte? Bah écoute, pour faire très simple, hier je me suis gavé de cachets parce que j'avais d'horribles douleurs dentaires à cause de mon rendez-vous chez le dentiste, c'est le cas de le dire. Et en fait, les cachets m'ont tellement détendu que j'ai pris une mauvaise position en dormant. Et du coup, ce matin, je me suis levé à la limite du torticolis. Donc pour éviter que ça en arrive au torticolis, j'ai préféré mettre ma Minerve, je vais la mettre pendant quelques heures et puis ça ira mieux. Donc voilà. Ah non, j'ai eu pas mal de trucs. J'ai fait. On m'a dévitalisé une dent et j'ai fait un énorme détartrage. Je disparais quelques minutes.
Ouais. Il y en a une, c'est pour poser une couronne, et en fait, l'autre, c'est parce que il y a très longtemps, à l'époque où je me suis fait enlever une dent de sagesse, c'était pas le même dentiste, et le mec a fait une très grosse connerie, c'est qu'il m'a suturé en enfermant, enfin, avec de l'infection dedans. Et avec les années, du coup, là, pour essayer de me sauver la dent, Je le voudrais me changer un peu dentiste les a idées. décidé de la Mange-moi au bruit, par dévitaliser exemple. et de passer par au-dessus au lieu de passer par en dessous pour essayer de soigner l'infection. Donc du coup, voilà, tout est fait, mais maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Mais là, je déguste. Oh putain, j'ai que de la merde. Bah là je vais pas, ça va pas être une super partie là, hein, parce que vu les cartes que j'ai en main, ça va être vite torché. Et en tout cas, merci, c'est bien gentil à toi de me souhaiter un bon rétablissement. Je te remercie, c'est cool. Là, ce qui m'emmerde le plus, je te dirais, c'est pas les dents, c'est plutôt les cervicales. Mais ça va, j'ai l'habitude. J'ai que de la merde. Bon allez hop, celle-là j'abandonne. C'est pas avec les cartes que j'ai eues que je vais m'en sortir. Je sais pas, mais j'ai de la misère à bien voir l'écriture. L'écriture. Dans ma version de mon chat, il y a peu pas. Bon celle-là je la perds, hein, je te le dis tout de suite, citoyen. Je vais en refaire une autre. Ouais, d'accord. Il a pas envie que je. Il a pas envie que je perde, apparemment. Donc allez, une petite dernière et puis après on va reprendre le cours de notre exploration. Je voudrais me changer un peu les idées en jouant au Gwent, par exemple. Déjà comment tu un dragon? Bah là, franchement, quand je vois les cartes que j'ai, ça va être compliqué de se ressaisir, quoi. Ça, c'est déjà mieux. Et ça peut aller. Thank you.
Ok. Bah écoute, bon courage à toi pour le boulot. Je me prends des bonnes raclées, mais il y a des fois ça va, je m'en sors pas trop mal. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait aller. Ah bah non, ça ira pas. Il va piocher des cartes. Et ça, c'est beaucoup moins cool. Chaque fois, il me l'a fait à l'envers.
Ils vont encore piocher. Voilà. Et du coup, bah, vu que je vais plus avoir de cartes, il va me ruiner au tour d'après. Et voilà, j'ai perdu encore. C'est surtout le fait que moi aussi je joue avec le fait de pouvoir récupérer des cartes, mais je le fais trop tôt dans la partie en fait, ce qui fait que du coup ça me... Là je voulais tout, vu qu'il me restait plus qu'une fois à gagner, en plus j'ai pas économisé mes cartes, je suis parti direct comme un forcené, en essayant de gagner, mais voilà. Du coup, j'ai perdu. C'est pas grave. De toute façon, faut dire qu'avec le faible jeu que j'ai, j'attaque pas par les bons endroits hein, pour gagner des cartes. Hein. Il faudrait que je refasse le tour des commerçants en partant de la première ville. C'est parti. On va continuer. Jetez à l'œil. J'ai gagné. Je suis champion de la reine. Vraiment. Salut. Des boules de plomb, mais pourquoi faire? T'es un spectre, pas un diabolo. Fais quoi? On va voir les druides. Hein, salut. Les druides ne peuvent rien contre les spectres. Ah bon? Et toi, tu peux faire mieux, peut-être? Ferme donc ton clapet. Tu vois bien que c'est un sorceleur, non? Écoutez, il y a un spectre qui hante notre arène et personne ne sait comment s'en débarrasser. Vous pouvez nous aider? Je devrais pouvoir m'occuper de ce spectre, mais je dois en savoir plus. Que voulez-vous savoir? Que savez-vous du spectre? Depuis quand est-il ici? D'après mon grand-père, qui tenait ça de son grand-père à lui, le spectre s'appelle Houl le Poissard. Il perdait tous ses combats, mais ses blessures n'étaient jamais mortelles. Houl n'était même pas capable de mourir comme un homme. Un jour, le Jarl Tormar a organisé un tournoi dans l'arène. Les participants ont tiré au sort leur adversaire. Et le Jarl est tombé sur Houl le Poissard. Il était tellement sûr de gagner qu'il s'est moqué du pauvre Houl. Il l'a ridiculisé devant tous les spectateurs. Mais alors qu'il levait les bras en triomphe, Houl, foudrage, lui a planté une dague dans le dos. Avant de mourir, Tormar a eu le temps de maudire Houl. Tu connaîtras le goût de la défaite pour l'éternité. Depuis, Houl hante l'arène à la recherche d'un combat. Et parfois, il en trouve un. Vous voulez dire que d'autres ont déjà essayé de le vaincre? Vous voulez rire? Tout le monde l'a vaincu. Il perd tout le temps. Le problème, c'est qu'il revient toujours. Et à cause de lui, on ne peut plus organiser de combats normaux. De quel genre d'arène s'agit-il? C'est une arène comme une autre. Autrefois, les meilleurs guerriers des clans s'affrontaient ici. L'arène de Spikrug était célèbre dans tout l'archipel. Jusqu'au jour où un spectre est apparu. Bah, comment le savez-vous? Je te l'ai dit.
C'est un sorceleur, un savant. Rien ne lui échappe. Je sais pas ce que j'ai fait avec, le... avec mon chat, mais... Je veux bien essayer sont trop chasser pas. Votre spectre, mais pas... Et mon ancien chat. Si vous réussissez, on vous donnera la cagnotte du champion. Et vous aurez même droit à une part de nos futurs bénéfices, une fois que les combats auront repris. Tu crois pas que tu t'avances un peu, là? Peut-être, oui. Mais merde, si le sorceleur nous débarrasse du spectre, il l'aura bien mérité. Oh, d'accord. Mais juste une fois, alors. Ça me convient. Attendez-moi ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Tu es venu pour affronter le fantôme de la reine? N'aie crainte. Oul le Quasar ne connaît que la défaite. Sois gentil. Épargne-moi les cris du genre « Meurs, spectre !» ou « Ton heure est venue, fantôme de la reine !» J'ai dû les entendre des milliers de fois. J'en peux plus. Tu es différent des autres spectres. Quoi? Tu voudrais peut-être que je pousse des hurlements à glacer le sang? Ne compte pas sur moi. Tout ça me fatigue. De toute façon, je connais la suite. Tu vas me jeter des insultes au visage, me transpercer le corps de ton épée, et dans quelques jours, je réapparaîtrai. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps, car tel est mon destin. Moisir ici pour l'éternité, voué à ne connaître que la défaite. Enfin, trêve de bavardage. Dégaine ton épée et viens terrasser le fantôme de la reine. Ouais, c'est normal, le jeu, si tu veux, citoyen, venait de sortir il y a quelques jours, donc forcément... Vas-y, mais fais vite. Le jeu était ultra streamé, mais comme je l'ai dit la dernière fois, les gars, ils... De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le renvoyer chez lui dans l'au-delà, c'est de perdre. J'ai gagné. On dirait bien. Félicitations. Et moi, du coup, si tu veux, mais comment? Donc oui, je te disais, si tu veux, le truc, c'est que, et qu'il y a quelques jours, qu'est-ce que j'entends? Le jeu venait de sortir, donc c'était le hit entre guillemets de la semaine. Donc les gars n'étaient pas de stream. Et vu que les gens maintenant, il y a énormément de gens qui, si tu veux, ont tracé directement à la fin de l'histoire principale de plusieurs façons, mais du coup ils ont déjà fini le jeu. Moi je continue à le stream parce que comme on a dit avec Goku, on veut faire un stream à 100%, quoi. Donc forcément, ça prend énormément plus d'heures de jeu. Adieu fantôme. Salutations. Le spectre ne vous embêtera plus. Il doit boire de l'hydromel avec ses ancêtres à l'heure qu'il est. J'en étais sûr. Allonge la monnaie, Gunnar. Tiens. Vous avez parié sur moi? Vous auriez dû voir ça. Moi, j'ai misé sur vous, mais Gunnar a dit que vous aviez pas une chance. C'est pour ça qu'il fait la tronche. Je vois souvent cette tête quand on doit nous payer. Vous en faites pas, on est honnête. Tenez, voilà pour vous. Et n'oubliez pas... J'ai rendu le 20e jeu. La reine aura... Je m'en souviendrai. Merci. Ah,
Aux amis, on montre notre cœur. Un sorceleur. Tâche de te le rappeler. Salut. Oh, c'est toi le mutant, vrai? Moi, cette tête-là, c'est une bonne chose. Un type ordinaire n'aurait aucune chance contre le champion des champions. Bah ouais, voilà. Ouais. C'est clair, moi aussi, hein, c'est pour ça que... bah disons que si tu veux, ils rushent, disons qu'ils font pas tout, quoi. Parce que ils veulent juste... déjà, j'ai pas vu dans les streamers énormément de gens qui jouent en mode marche de mort. Ni en mode difficile. J'en ai vu que très très peu, ils font ça en mode normal, donc déjà ça va encore plus vite. Moi c'est pareil, j'ai envie d'apprécier le jeu, j'ai envie de le finir bien correctement. Comme ça, ça me permettra d'attendre les DLC au fur et à mesure. Quand ils sortiront, au moins tu vois, je sais que j'aurai pas besoin de revenir sur mes pas, or si une quête me dit de revenir sur mes pas, quoi. Tu peux m'en dire plus sur mon adversaire? On m'a fait combattre un ours l'autre jour. Je ne m'y attendais pas vraiment. Suis-le, il va te montrer le chemin. Mais je suis d'accord avec toi que ça n'a pas de sens d'un jeu avec une aussi grosse durée de vie de le rush en pas longtemps. Un troll de pierre. Et pas un petit spécimen. C'est un combat à main nue? Ouais. Bien sûr, tu auras le droit à de belles funérailles. Dans le respect de tes traditions. Ouais, voilà, moi c'est pareil. Le champion est un troll, et tout le monde trouve ça normal? Pourquoi pas? C'est un troll honorable. Il a voulu se battre et le champion précédent a accepté. Zama, c'était son nom. Aussi appelé le marchand de sable. Et c'était avant que le troll lui plante la tête dans le sable. Et ce troll a un nom? Sans doute, ouais. Mais il ne le révélera qu'une fois vaincu. C'est un troll errant, tu comprends? Il ne révélera rien s'il ne survit pas au combat. C'est pas faux. Mais j'ai dans l'idée qu'il s'imagine pas perdre. D'ailleurs, vu que c'est un troll, il doit pas s'imaginer grand chose. La logique, c'est pas son point fort. Je veux affronter le champion des champions. Comment tu t'appelles? Geralt de Rive. Je suis prêt à me battre. Geralt de Rive, le moment est venu. Ouais, après un ours à main nue, je vais me taper un troll à main nue. Ouais, en plus je commence avec ce qui me restait comme vie. Ok. Ça va, je peux me soigner. Mais... Et les roulades... voilà, échec de la quête, c'est génial. Les roulades et march-up. Je veux faire une roulade, je fais pas de roulade. Voilà. C'est génial. J'ai niqué la quête. C'est magnifique. Ridicule. Je pense que c'est celle de Coucou, un moment donné, je suis juste rentré dans une zone où... qui a été jouée. Bah non, mais d'habitude, quand je commence un combat à main nue, si tu veux, je commence avec full vie. Là, tout à l'heure, j'ai fait exprès de perdre le combat pour dégager le fantôme. Mais on m'a refoutu dans l'arène avec plus un pet de vie, quoi. Normal.
Ouais, la quête, es-tu bloquée ou... Il y a marqué échec. Si c'est en échec, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Ça s'appelle un échec. Un gros échec. Donc du coup, j'ai raté... Non, mais d'où t'es peint, où ce qui était sa sauvegarde. Je crois pas ma sauvegarde d'avant. Je crois pas que ça marchera. Ah, la quête, les points sur les i. Ouais, peut-être. Ouais. Je vais essayer. De toute façon, même si je me mets en garde avec l'ogre, avec le troll, ça va être plutôt coriace. Hein. Surtout qu'il est, il est vachement plus haut niveau que moi. On va essayer avec la sauvegarde d'avant et suivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasori n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Gérald et Yennefer allaient voir le jarl Krach Ankret qui les aida à infléchir la résolution du druide. Et oui, oui, oui. Ah, mais ça, c'est-tu à cause de la difficulté ou c'est le jeu qui veut ça? Non, non, c'est le jeu qui veut ça. Ça t'oblige à refaire le jeu en ne refaisant pas les... Oui, voilà, ouais, les échecs de quête, ils sont valables que si tu... Ils sont valables que si tu... Que t'as pas de sauvegarde, quoi. Mais je pensais pas avoir une sauvegarde en fait. Allez, approche. Merci, citoyen, de m'y avoir fait penser. Oui, 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 bien sûr, oui, forcément, oui, si t'as fait un point de sauvegarde, c'est logique que tu puisses refaire la quête, mais bon, après, perso, je suis pas trop du genre à... sauf là, parce que je m'attendais pas du tout à commencer le combat sans vie, mais... Je m'attendais pas à commencer le combat avec moitié de vie, quoi, donc du coup... Je l'ai eu.
Gérald de Rive, tu as vaincu le champion des champions en combat singulier et gagné le droit de porter ce titre prestigieux. Bientôt le monde entier connaîtra tes exploits. Le titre t'appartient, ainsi que la récompense. Ça comprend pas exploit. On s'appelle Assam Akidal. Bon, en tout cas, maintenant je suis champion des champions. Ça c'est fait. Alors hop, on va faire ça, parce qu'apparemment c'est des seuls qui me restent dans le coin. Enfin dans le coin. C'est une des seules qui me reste hors quête principale. Merci, merci citoyen, toi aussi, bonne soirée, bonne nuit, bon courage pour le boulot. Bonne nuit citoyen. Merci d'être passé, en tout cas c'était bien cool. Ciao ciao. Le corps est bleu et gonflé, mais ça n'a pas l'air d'avoir gêné les sirènes. Elles ont dû récupérer son corps après qu'elle se soit noyée. La lampe de Kera me serait bien utile. Bienveillante Freya,
accorde-nous ton pardon. Nous devions escorter la promise de notre frère jusqu'à son mariage. Mais un orage s'est mis en travers de notre route. Tout est perdu. Agda est morte. Sa dot a coulé sous les flots. Nous avons souillé l'honneur de notre clan. Pardonne-nous, ô noble Freya. C'est inutile, Miguel. Seul le sang pourra laver notre honneur. Ne reculons pas devant notre devoir. Prions sous cet arbre, et ensuite, finissons-en. Oui, tu as raison. Ce sera mieux aussi. Les empreintes. Je me demande où elles mènent. L'honneur de Skellige. Ils ont préféré mourir plutôt que vivre en sachant qu'ils avaient manqué à leur devoir. Fais-toi tout le chemin, alors que t'as un voyage rapide, juste à côté. De Minerve, ça fait toujours du bien. J'ai une mauvaise nouvelle. Agda est morte. Et vos frères aussi. Quoi ? Non ! Possible. Leur navire a coulé en pleine tempête. Agda est morte, noyée. Et entre le déshonneur et la mort, vos frères ont choisi la mort. J'ai trouvé cette lettre. Ça vous aidera peut-être. Une lettre ? C'est tout ce qui me reste d'eux. Désolé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Thank you.
Moi c'est bien, mais j'aimerais bien... J'aimerais bien, hop là. Bon alors. Qu'est-ce qu'on a en quête maintenant ? C'est niveau 30. Bon, on va repartir cette fois. Soit je vais faire un peu d'explo, soit je continue un petit peu la quête principale. Peut-être explorer un peu quand même. Parce qu'il y a un bon paquet de trucs à explorer. Que je me trouve un bateau. Il n'y a même pas un petit bateau ici. Oh. Ouais, je vais aller explorer un poil. On va dégager un petit peu. Dégager un maximum de points d'interrogation sur la carte. Quoique, attends, j'ai une île que j'ai pas faite encore. J'ai vu qu'il y avait des affiches. Bonjour. Vous cherchez une bonne affaire ? Montrez-moi vos marchandises. Lui, il y a une selle, c'est quoi ? 70. Bof. Aucune importance. Des trucs à revendre qui servira à rien. Dieu. Que faire maintenant ? Tavernier, on doit avoir des cartes de Gwent à vendre. Si c'est vrai,
cas d'ennui. Salutations. Impressionnante, votre taverne. Une taverne? C'est pas une taverne, c'est la demeure des guerriers. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette demeure des guerriers? On s'y bat? Ouais, il arrive qu'un type en cogne un autre. Mais la plupart du temps, les gens viennent boire, manger, se réchauffer au coin du feu, discuter, ou encore écouter un scalp hurler à la lune. Les choses qu'on fait dans une taverne, en somme. Ces continentaux, ils comprennent rien à rien. Buvez donc notre hydromel, c'est de la sagesse liquide. Qu'est-ce que vous vendez? Je vais jeter un œil. Sniff, il n'a pas de carte de Gwent à vendre, lui, c'est pas cool. Adieu. Puis-je pour vous? Des patrons, toi? Montrez-moi ce que vous avez. Non. Adieu. C'est peut-être pas. Vous êtes sorceleur, c'est bien ça? Salutations. J'ai vu votre annonce. Ah, pourquoi t'affiches ça qui disait? Personne n'ira chasser cette bête qui disait. Ça le reprendra. De quel genre de bête s'agit-il? Ah, vous savez comment c'est. Les bonnes femmes parlent de cochets, de manticores. Mais tout ça, c'est des conneries. On irait demander conseil aux prêtresses de Freya si on pouvait. On peut même pas atteindre le temple. Et personne n'a vu la bête, même de loin. Oh, il y en a qui l'ont vue, pour sûr. Le problème, c'est qu'ils l'ont vue d'un peu trop près, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai su tout de suite qu'un type ordinaire serait pas de taille face au monstre. Mais Sver a insisté, a rameuté un groupe et... Quatre seulement sont revenus. Les autres, tous massacrés à l'est du village. Alors, vous voulez bien nous aider? Parlons un peu de ma prime. Vous voulez marchander? Et comment on va décider du prix, hein? Tout dépend du monde. Un noyeur, c'est moins cher qu'un cocatrix. Justement, on sait pas ce que c'est. Tuez-le d'abord, on discutera du prix ensuite. Ça vous va? Non, ça ne marche pas comme ça. On fixe un prix et un bonus en cas d'imprévu. D'accord. Combien? Ah ouais, pas mal. Si vous voulez négocier, vous avez trouvé à qui parler. C'est trop cher. Oh, comme vous voudrez. Après tout, c'est votre vie qui est en jeu. Je vais m'occuper de votre monstre. Vous en avez vu d'autres, ça crève les yeux. Nos gars, hélas, tout feu, tout flamme, mais pas une once de jugeote à eux tous. Les quatre survivants, où sont-ils? Vous voulez parler à Sver? Ma foi, pourquoi pas. Ils sont assis par là, près de cette hutte.
C'est peut-être pas pire. Ouais. Tiens, demande donc au sorceleur. Il te dira que les monstres posent pas de pièges. Quel est le problème? Vous avez déjà entendu causer d'une sale bête qui laisse un chariot sur la route, puis qu'attend en embuscade? Ils sont trop crétins pour faire ça. Crétins ou pas, ils ont déchiqueté plusieurs de nos gars. Et on a fui comme des rats. Ils méritent qu'on les enterre. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Allez-y. Où avez-vous été attaqué? Pas loin d'ici, sur la route de Lofoten. On a vu un chariot en bordure de la forêt. Juste comme on approchait, quelque chose est sorti des fourrés, et boum! Je me suis retrouvé aspergé de sang. Quand j'ai pu voir de nouveau, le corps d'Enar gisait sans vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apparence de ce monstre. Faisait nuit. Gaspard a cru voir quelque chose. Je sais ce que j'ai vu. Il était immense. Avec une gueule toute tachée de sang. Le salaud a quasiment coupé Ungi en deux d'un coup de griffe. Ah. Intéressant. Merci. Merci pourquoi? Je peux vous parler? Je sers la déesse et ses ouailles. En quoi puis-je vous aider? Vous êtes Svana. Je viens pour les chevauchées héroïques. Tout le monde peut participer ou c'est réservé aux fidèles? Freya, dans sa grande bonté, accepte tout homme assez brave pour risquer sa vie dans les chevauchées. Les chevauchées sont différentes des courses du continent. Une seule règle importe. Le premier arrivé remporte la course. Parfois il s'agit du plus rapide, et parfois de celui qui a désarçonné tous ses adversaires. Ça explique le nom. Quel est le prix de l'inscription? Il vous faut du courage, rien d'autre. Non, là, on pourrait appeler quelqu'un pour un sondage. Accrocher un fer à cheval. Il y a une récompense pour le vainqueur? Le vainqueur se couvre de gloire et prouve sa bravoure aux yeux du monde. J'espérais une récompense un peu plus concrète. À nos yeux, ces choses ont bien peu d'importance. Mais rassurez-vous, le vainqueur ne repart pas les mains vides. Il gagne une épée, un casque ou un bouclier. Comme quoi? Tu n'es plus de mort. Je n'empêche pas d'avoir l'esprit pratique. Un peu d'exercice, ça n'a jamais tué personne. Bon, où se tiennent les courses? Les trois premières ont lieu sur Ardskelly. Il y a du monde aujourd'hui. Pour gagner le droit de revenir sur Yndarsfjall et défier le champion de l'année dernière, un cavalier doit gagner chaque course au moins. Ce que je crois que j'ai fait à peu près quelques fois là aussi quand... champion. Comment s'appelle-t-elle, plutôt? Astrid de Spikrug, surnommée la Vipère. Charmant sobriquet. Et amplement mérité, croyez-moi. Bonne chance, sorceleur. Puissent vos actes satisfaire la déesse. Bon, d'abord m'occuper du monstre, contrat de sorceleur. Hein. Ça va peut-être m'aider à. Tiens, quête par là. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais poser les mêmes questions. En général, ces lieux sont réservés aux nécrophages. Ça, des bouffes cadavres, y en a. Et ils deviennent de plus en plus hardis chaque jour. Ils sortent même pour s'en prendre aux vivants. On va se les faire. Nettoyer la mine, l'épée au poing, pour faire honneur à nos pères. Je suis sorceleur. Je pourrais vous aider. Et nous faucher toute la gloire? Pas question. La gloire vous fera une belle jambe si une goule vous mâchonne le tibia. Tout bien pesé. C'est pas faux. Bon. Très bien.
As devant, alors. Dame Bran aurait mieux fait de... En plus, il faut que je l'ai... Ça va, vu mon niveau, je devrais pouvoir les garder en vie, les petits gens. Pas réussir à trouver ce mutagène rouge, hein, c'est... Sortez les corps et brûlez-les. Les ghouls ne rechignent pas à manger leurs congénères. Oui. Entendu. Content que tu sois venu. Y a un envoyé de Fria, comme qui dirait. On te doit beaucoup, et on n'oubliera pas. Ah, la gratitude, c'est bien beau, mais... l'or est tout aussi apprécié. Oh oui, désolé. On a encore la tête au combat. Eh ben... tu les as décimés. Tiens. C'est pour toi. Merci. Adieu. Aux amis, on montre notre cœur. Aux ennemis, notre hache. Tâche de te le rappeler. Pas mal, ces épées. Mais je préfère mon bon et mon hache. Hé, où tu vas comme ça? Non, je reviens, ok? Ok, pas de soucis, Chaos. Il a littéralement été taillé en pièces. On dirait du sang, mais... de la glaise rouge. Il ne reste pas grand-chose. Le monstre a dû traîner le corps dans les bois. Les Necker sont forcément dirigés par une créature intelligente. Capable de fabriquer des pièges rudimentaires. Les traces conduisent dans les bois.
ont trouvé un endroit idéal pour leur nid. Que les Neckers sont immunisés à la toxine. Maintenant, le poison protège leur nid. Mourir, non. Wow. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Yo, c'est l'expert. Salut, salut. J'ai de la compagnie, on dirait. Non, je suis pas malade à proprement parler, j'ai les cervicales en vrac, expert. Là, tout à l'heure j'ai mis une petite minerve pendant deux petites heures là, histoire de me détendre un petit peu les cervicales. Mais, merci de vous en soucier, c'est bien cool en tout cas. Merci à vous.
Ça, c'est du timing avec la popo du chat. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau, expert ? Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Les derniers pétins. Alors, vous allez m'aider ? J'ai tué le monstre qui rôdait dans le coin. Bienveillante Freya, cette saloperie est morte. Maintenant, dites voir, le combat était rude ? Vous avez des blessures à faire soigner ? Merci, je survivrai. Oh, vous avez dû en voir d'autres, c'est sûr. C'est un dur métier que vous faites là. Ah, les films allez, d'horreur pour... pour fourvoyer les femmes. Adieu. De ce qu'on m'a dit, il était pas si terrible que ça. Après, j'ai pas eu 50 avis non plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ok, c'est pas grave, on va aller ailleurs alors, si on n'a pas les quêtes, on va fouiller un peu quand même. Et alors, s'est-elle jetée dans tes bras ? Mais c'est horrible ! Protège-moi, expert ! Ça fait peur. Salut expert. Je t'ai à l'œil. Merde, ça a pas marché. Bon, je sais quoi qui a pas fonctionné. Son rendez-vous. Ah, il a emmené voir une fille qui convoite voir un film d'horreur. Il a cru qu'elle allait se jeter dans ses bras, mais non. Sniff, ça n'a pas marché. Ouais, en fait, elle kiffe ça, quoi. Merde, c'est dommage. Ouais, j'espère au moins qu'elle a compris que tu lui tournais autour. Ha ha ha.
Bon, vous venez les harpies là. Ouais, aussi, ouais. Ou soit elle fait celle qui est pas intéressée, mais ben, elle est peut-être intéressée. T'as plumé deux coques aujourd'hui. GG. Ouais, j'ai enfin up. Magnifique. Eh oui, quand on doit... pas trop le choix, c'est peut-être pas super, c'est pas, comment dirais-je, enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que voilà quoi, ça peut pas plaire à tout le monde, mais pas de soucis expert, j'espère qu'on aura le droit à un petit foie gras, si vous avez quelques canards qui traînent. J'espère qu'on aura un petit peu de foie gras pour Noël, quoi. Un petit peu de gros sel, quelques toasts, une bonne confiture de figues ou d'échalotes pour aller avec. Ah non, mais c'est pas parce que je parle d'un foie gras de canard qu'il faut forcément les gaver. Hein. Même quand ils sont pas gavés, ils peuvent être très bons. Salut Clifford. Eh bah, GG à toi pour ton Witcher 3. Alors, t'as pris quelle difficulté? Ah, c'est pas grave expert, on se contentera d'un petit magret alors. Salut aux viewers qui viennent de nous rejoindre, installez-vous. Ah, t'as pris hard, t'as pris juste os et sang. T'as pas pris marge de mort. Je viens de vous tuer, vous êtes déjà de retour. Et on n'est pas obligé de tous prendre la même difficulté que tu fais. Non, mais je sais bien. Touche pas à mes canards. Ah mais moi tu sais je suis un bon vivant, hein. Moi j'aime bien, déjà j'adore cuisiner et j'aime bien la bonne bouffe, alors tu sais, moi un petit magret de canard avec des pêches, des girolles, des pruneaux, ça passe tout seul, hein. Avec une bonne plâtrée de tagliatelle, tant qu'à faire. Normalement, il n'y a pas un marchand, hein.
Il y a une bourse de marchandises et il n'y a pas de marchand. C'est pas un milliardois, hein. Qu'y a-t-il à ajouter ? Ok. Pauvre canard. Ouais, je me suis dit qu'on pourrait faire une partie de Duck Hunt aussi, non ? Bon, c'est pas grave. Le marchand, il est parti faire un tour. Le problème avec ça, c'est ma TV qui suit pas. Faudrait que je me reprenne la TV dans mon sol catalogue. C'est tellement vieux, tu sais. Même les télés maintenant, faudrait garder une télé cathodique pour que ça. Ouais, mais c'est la seule façon que ça fonctionne, ou sinon, tu tires, mais c'est comme si tu irais toujours à côté. Bon, ça va, pour l'instant, je tue des loups. Le trappe avec les assiettes, quoi. Et si le vœu le disait vrai, s'il ne nous avait pas abandonné, il ne parle plus de lui. Ah, mais n'empêche, un coup de pompe, c'est vite déplumé, hein. T'as pas besoin de ça. Elles reviendront pas, tu sais. Viens t'installer chez moi, là. C'est pas si dur que ça, de vivre avec ton père. Alors, tu kiffes Clifford ou pas, alors ? Dis-moi tout. Premières impressions après quelques heures de jeu. Le soleil brille. Il doit y être depuis ce matin, tu sais. Bon, y a rien dans le village. On va aller au suivant. Grenade aussi. Après, je suis pas très calé à ce niveau-là. Je te laisse seul juge, toi, enfant de la ferme. Une clé. Mais en fait, les écoles vipère et loup, c'est pas des stuff complets, Clifford. La vipère est très très bien en début de partie pour tout ce qui est dégâts de poison ou choses dans le genre, c'est vraiment génial. Mais t'auras vite fait de te recycler. Y a pas d'évolution en fait dans ces stuff là. Ce qui fait qu'une fois que tu seras arrivé, je sais pas, peut-être niveau 10 ou une connerie dans le genre, ton stuff il sera complètement obsolète. Là, j'ai mixé un petit peu là.
D'ailleurs, hier, comme je disais à Skaos tout à l'heure, j'ai joué un petit peu en offline hier parce que ça me faisait chier de pas trouver le stuff du chat amélioré. Donc je l'ai enfin trouvé. Et du coup, je me suis amusé à tester un petit peu les armes. Et je me suis trouvé, en fait, j'ai pris le stuff du chat avec... avec les épées du avec les épées de l'ours, c'est une boucherie. Une vraie boucherie. Merde, super. Je voulais pas tomber, mais c'est pas grave. J'ai encore gagné à peu près 2 à 300 points de dégâts. Quand je fais des critiques à 1005. Ça pouique, ça pouique. Alors, 4 chiens, 3 chats, 2 chèvres, ah ouais, 120 poules, ah ouais quand même, 20 coqs, 3 canards, une vingtaine de pigeons, une soixantaine de lapins, 2 cochons, un sanglier. Ouais, tu m'étonnes que ça use, ah, et un veau aussi. Ça, c'est une vraie petite ménagerie, quoi. Une vraie petite ferme. Mais c'est vrai que c'est du boulot. C'est du boulot. C'est la SPA chez moi. Mais alors c'est bien, par contre je suis tombé, est-ce que je peux remonter? Ouais. Ouais voilà, ouais. Quand tu fais des quêtes, c'est pas trop grave de pas sauvegarder parce que ça sauvegarde automatiquement. Et quand tu joues en mode hard, c'est toujours mieux de faire des sauvegardes parce que sinon c'est la merde. C'est bien, mais si je m'en vais et que je peux pas remonter, ça va pas le faire. Alors du coup, hop, je vais lâcher l'affaire. De toute façon, maintenant j'ai le voyage rapide. J'ai pas la clé. Si j'ai pas la clé. Alors, voyons voir. D'accord, c'est juste à côté. Bon, écoute, moi, rien de spécial que mes barrettes de RAM sont arrivées, mais manque de peau, j'étais pas là. Donc du coup, il faut que j'aille les chercher demain à la poste. Sinon, à part ça, eh ben, écoute, pas de très très grandes nouvelles. Hein. Rien d'exceptionnel. Que je me rapproche gentiment de la fin. Bon, j'attends qu'un gars qui me contacte pour les deux jeux qu'il voulait m'acheter. Il me dit la semaine prochaine, c'est sûr.
Amour, vous allez... Mardi, bientôt mercredi, pas encore contacté. Quelle raison la déesse vous a-t-elle mené ici? Et moi qui croyais m'être mené tout seul. Vous ne vénérez pas Freya? Non. Mais je respecte ses disciples, y compris ses prêtresses. C'est tout à votre honneur, mais sans importance. Trollé par mon rendez-vous chez les dentistes, surtout Clifford. Croyant et infidèle, sans distinction. La vénérer peut aider, mais ça ne fait pas tout. Que cherchez-vous? C'est cool ça, expert. Oh, moi je l'ai déjà. Et même, je pense, le quand tu précommandais, t'avais un genre de petite BD. Avec, je pense, aussi quelques images. S'il y en a qui veulent que je stream, je peux streamer, je l'ai. Donc voilà, et moi demain, tout à l'heure, ça va être démontage intégral de l'ordinateur, nettoyage, remontage. Ah, je l'ai dit, ouais, un petit nettoyage en même temps. Ouais, de toute façon, je le fais tous les 3 mois en moyenne, je démonte tout pièce par pièce, je nettoie tout et je remonte tout. J'ai horreur que mon PC soit crade. Avec Azuras Vress, attends-toi quand même une fois de temps en temps de toucher ta manette puis regarder un manga. Ouais, c'est quand même fun de jouer, mais comme t'as regardé un manga, tu joues, t'as regardé un manga, t'as regardé un manga, la scène, tu joues un petit peu, t'as regardé un manga. Ouais, il est le fun à regarder aussi. Un temple fut par la suite érigé à cet emplacement. Je ne savais pas que Freya aimait les chats. Une ignorance qui en dit long sur le chat blanc. Et l'animal sacré de la déesse est grande et sa signification symbolique. Bon, le mois prochain, la vocation de ce temple, on a un petit rendez-vous chez l'ostéo, là, je crois que ça s'impose. À trouver ce qui leur tient le plus à cœur. Qui sait, même vous pourriez être touché par sa grâce. Ne grimacez pas. Auriez-vous des amis si puissants qu'ils vous exemptent de toute aide divine? Puis-je jeter un coup d'œil à vos articles? Ça, les griffes de monstres 90, ça va pas me servir à grand chose. Hop. Faire un petit peu le ménage dans le surplus là, parce que... Ah, j'ai trouvé un mutagène rouge. Est-ce que ça sera celui qu'il me faut pour booster encore plus mes dégâts? Ça serait bien cool. Toujours pas ce rouge. Hein. Ah, tu vas voir, c'est un kiff.
Bah moi, mon signe du zodiaque, c'est le signe de la terre, mais par contre, si je devais choisir, je dirais plutôt l'eau, la force tranquille. Bonjour. Ça répond pas. Je suis au service des pèlerins venus rendre hommage à la déesse. Ah ouais. Mon problème. La terre ou c'est autre chose? De quoi s'agit-il? Oh non, si je devais choisir, je prendrais l'eau. Vous avez un problème avec un certain Morkvark, je crois. Je pourrais m'en occuper. La déesse vous en serait très reconnaissante. Mais ça, ça peut être tranquille comme Capus. C'est bien gentil. C'est ça, justement, la force tranquille. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Vous serez payé, à condition de nous débarrasser de Morkvark. Définitive. Morkvark est déjà mort plusieurs fois, voyez-vous. Mais à chaque fois, une malédiction le ramène à la vie. Sweeten. L'annonce ne parlait pas d'une malédiction. Tous ceux qui vivent ici la connaissent. Justement, je ne vis pas ici, moi. J'aimerais en savoir plus. La grande prêtresse Ul va lancer la malédiction. À cause d'elle, Morkvark est lié au jardin jusqu'à la fin des temps. Même la mort ne peut le délivrer. Je ne sais rien sur ce Morkvark. Qui est-il au juste? Un homme sans cœur. L'être le plus infâme que Skellige ait jamais connu. Rien n'était sacré à ses terres. Non, t'inquiète, expert, ça va. Les terres de son propre clan. J'ai toujours connu quelqu'un qui a failli s'y tuer avec sa sienne. Oui, je vois le genre. En son fort intérieur, il ne craignait qu'une chose. Le courroux des dieux. Aussi Morkvark chercha-t-il à les mettre en défaut. Un jour, il y a bien longtemps déjà, il mit le cap sur Indarsfjall pour piller le jardin de la déesse. Lorsque la grande prêtresse Ulv lui barra le chemin, il la passa au fil de l'épée et la jeta dans la boue. Dans son agonie, elle le maudit. C'est ainsi que Morkvark se changea en monstre. Je ne sais rien sur ce Morkvark. Qui est-il au juste? Un homme sans cœur. L'être le plus infâme que Skellige ait jamais connu. Rien. Oui, je vois le genre. En son fort intérieur, il ne... Lorsque la grande prêtresse Ulv lui barra... J'ai peut-être déjà croisé ce Morkvark. C'est un loup-garou? Je n'en sais rien. Je crains de ne l'avoir jamais vu. Dommage. J'espérais que vous pourriez m'en dire plus sur lui. Ça m'aurait bien aidé. Vous devriez parler à Tordar, fils d'Enar. Il était au jardin quand Morkvark et ses sbires ont attaqué. Il a tout vu. De tous les pèlerins présents, lui seul a réussi à s'échapper. Il s'est installé à Larvik. Vous devriez le trouver au débarcadère. Sauf s'il est reparti en mer. On pourrait dire Goku, c'est rendu une drague. De toute façon, j'ai la même enfant aussi quand je commence un jeu. Je peux pas m'arrêter. J'ai un nouveau jeu. Pas de soucis, Clifford. Fais-toi plaisir. Tu l'as acheté pour ça de toute façon. Au revoir. Puisse la déesse vous protéger du mal. Ah mais si on joue, on peut donner envie aux gens d'acheter d'acheter le jeu, oui. La mer s'agite, puis son eau protège nos amis. De toute façon, si on vous donne du plaisir, hein, c'est le principal. Hein, nous voilà, on prend trouver le jardin, on réside le monstre. Ça, je l'ai déjà trouvé tout à l'heure. Nous, on prend notre plaisir à vous faire plaisir. Hein, donc. Ouais, notre but, c'est de transmettre notre passion, si on a réussi dans le milieu.
Du sang humain, et en abondance. La blessure devait être profonde. Du sang humain, et en abondance. La blessure devait être profonde. Parler de la malédiction, ah putain, c'est bien, ils aiment bien te faire faire des tours pour rien. À cause de vous, je suis mort. Oui, essaye pas de nous remettre la faute sur nous. Moi, je sens que ça va nous écouter. Salut aux viewers qui nous rejoignent. Installez-vous. Dors, imbécile. Si tu recommences, je te balance à la mer. Vous avez un instant? Je suis en plein préparatif, voyez pas? On part à la chasse au nymphe gardien. J'ai un plus gros gibier en tête. Morkvarg. Je vois. Allez-y, je vous écoute. Pour la gloire de Freya. Vous avez assisté au raid de Morkvark sur le jardin. Si j'ai bien compris, vous êtes le seul survivant. Oui, j'ai réussi à m'enfuir. La mère, dans sa miséricorde, veillait sur moi ce jour-là. Oui, mais elle n'a pas bougé le petit doigt pour ses prêtresses. Bizarre, non? Oui, c'est vrai. Morkvark leur a tranché la gorge, comme pour un sacrifice. Son rire, sorceleur, son rire. Je m'en souviens encore. Dans son dernier souffle, la grande prêtresse Ulve l'a maudit. Bestiale tu resteras à jamais. Ah, quelle sainte femme! Pourquoi vous n'avez pas aidé les prêtresses? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire, seul contre une douzaine de pillards? Pourquoi vous me regardez comme ça? Eh bien, votre peuple place l'honneur et le courage au-dessus de tout. Et vous avez fui comme un bleutre. Je trouve ça étrange. C'est vrai, et j'en suis pas fier. Depuis ce jour, je cherche une mort honorable au combat. Mais la déesse n'a pas jugé bon de me rappeler à ses côtés. Non, pas encore. Qu'est-il arrivé à Morkvarg? C'est difficile à croire, mais son corps s'est couvert de fourrure et son visage s'est allongé, comme celui d'un loup. Il a poussé un long hurlement, puis il s'est jeté sur ses hommes. Ils ont essayé de fuir, mais Morkvarg était trop rapide. Chaque fois que ses mâchoires se refermaient sur une gorge ou un bras, le corps du pauvre bouc tombait en poussière. Je vois. La malédiction doit être plutôt complexe. Tel est le pouvoir de la mer toute puissante. Merci pour bon, c'est bien, j'ai tapé les discutes, mais ça résout toujours pas mon problème, c'est que j'ai toujours pas la clé pour rentrer dans le jardin. Oh.
Depuis que j'ai changé mes épées, par contre, que j'ai changé les épées du chat contre celles de l'ours, c'est une boucherie, quoi. Faudrait que j'arrive à remettre la main sur une potion de... pour restat, ça serait pas mal. Parce que j'ai vu que j'avais quelques points qui étaient pas... les avais mis en croyant que c'était super intéressant. Alors ça l'est, mais en version hard, un peu moins. Une clé, mais j'ai pas la clé. Ça, c'est beaucoup moins cool. Trop. Quel boulet. Traces de griffes énormes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que ça serait bien que je mette mes deux points là. Ça peut être pas mal. Et après, je sais pas trop. Quoique les attaques puissantes, je m'en sers pas. Jeter un œil dans les signes. Ça pourrait être pas mal, ça, tiens. Du coup, ça, c'est quoi? Régénération. Ouais, ça, par contre, ça m'emmerde un poil, mais bon. C'est pas grave. En attendant de débloquer autre chose. Ça va être pas mal, ça. Alors... Du sang humain, et en abondance. La blessure devait être profonde. Mais si j'ai pas la clé, ça va pas m'aider. Les traces d'un monstre. Il courait à la poursuite de quelque chose. D'empreintes,
récente et ancienne. Sa tanière n'est pas loin. Impossible de passer. Je dois descendre. À supposer que j'arrive à ouvrir l'écluse. Le mécanisme a l'air relativement simple. Un levier pour choisir la porte d'écluse, et un autre pour l'actionner. L'écluse est ouverte, mais rien ne se passe. L'écluse est ouverte, mais rien ne se passe. Ça. Descendre, ok. Donc ça doit pas être ça. Morkvarg a défoncé cette porte. Il a dû sentir quelque chose derrière. Aussi, ça doit être par là. Le symbole de Freya. Le corps est intact. Morkvarg ne dévore donc pas ses victimes. C'est étrange. Il a repoussé. Ça repousse toujours. Il y a presque de quoi être jaloux. Vous voulez entendre une histoire ? Allez-y, je vous écoute. Des guerriers sont venus. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas me tuer alors.
Ils m'ont tendu un piège. Enchaîné. Enfermé. Ici même. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai ronché ma jambe pour me libérer. À chaque poussée, je hurlais de douleur, je vomissais du sang. Qui eût cru que se ronger la jambe pouvait être douloureux? Vous ne comprenez pas. C'était intolérable. Je brûlais de l'intérieur. Comme si j'avais avalé des charbons ardents. J'ai cru mourir, mais j'ai survécu. Et ensuite, je les ai déchiquetés, réduits en bouillie. J'ai fait un tas de chair de ces vaillants héros. Vous cherchez à me faire peur ou il y a une morale à votre histoire? La morale, c'est que vous ne pouvez pas me tuer, pas m'arrêter. Rien ne peut me retenir. Libérez-moi de la malédiction. Sinon, je reviendrai encore et encore. Telle est ma malédiction. Mordre, griffer, détruire. Jusqu'à épuisement. Il reste peu de temps avant que le sang ne me quitte et que je revienne. Écoutez-moi. Attentivement. Libérez-moi de cette malédiction. Je vous récompenserai. Alors quoi? Ça ne vous plaît pas d'être un loup-garou? Non, c'est un enfer. Le pire, ce n'est pas cette prison végétale, mais la faim permanente. Tout ce que je dévore se transforme en cendres. Je ne peux ni manger, ni boire. Et pourtant, je vis comme un animal en cage. La faim est insupportable. J'en viens à essayer de manger ma propre chair, mais la moindre petite bouchée me brûle la gorge comme de la chaux vive. La faim éternelle. Plutôt classique, mais très efficace. Voilà qui explique pourquoi tous ces cadavres sont encore intacts. Aidez-moi, ou je reviendrai vous mettre en charpie, vous démembrer. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Réfléchissez et agissez, ou je reviendrai. C'est pas grave, si tu reviens, je te tuerai encore une fois. Je reviendrai des morts. Essayez la méthode simple.
Morkvarg, de mon plein gré, je vous offre cette chair. Allez-y, mangez. Ça ne va pas se transformer en cendre. On verra bien. Allez. Une cuillerée pour papa. Une cuillère pour papa. Merde. Toujours cette même saloperie. Vous avez parlé d'une récompense. Mon magot. Mon butin. Tout est parti dans la pierre. Tout ou presque. Le vrai trésor est caché. Aidez-moi, et il est à vous. Ouais, ben là, de toute façon, il me reste plus grand-chose à faire, à part l'achever ou lui dire adieu. Ouais, tu peux dire adieu et l'achever. Ouais. Au revoir. Cette conversation commence à m'ennuyer. Et qu'allez-vous faire ? On travaille de sorceleur. Débarrassez-vous du loup-garou, bah ça y est, c'est fait.